Moi, j'ai pas trouvé ta place parce que j'ai pas participé, quoi. Je n'ai fait qu'organiser. Justement. Et l'organisation, ça s'est passé comment? Très bien, parce qu'on a quand même eu beau temps et ça c'est pratique quand il fait beau, c'est agréable. Oui. Et puis les vignerons, quand même, vraiment donnent de même et sont très, je dirais, fédérés entre eux pour travailler et ça c'est bien. Voilà. Et on le voit d'ailleurs, l'ambiance est très, très agréable et les gens sont bien aimés. Et il y a des vignerons qui sentent, qui se goûtent entre eux aussi. Ah bah oui, oui. Celle-là spécialement, elle voit tout. Et comment vous avez fait pour garder qu'il est vin frais toute la journée? C'est des seaux et des seaux de glaçon partout. De la glace. C'est bon. Déjà, on demande aux vignerons d'amener les vins frais déjà. Oui. Donc, déjà, les vins sont frais, ils sont pas chauds. Mais après, pour les maintenir au frais, il faut de la glace. Parce qu'il faisait beau. On est quand même dans une région de chaleur et de soleil, donc c'est bien qu'il fasse beau et chaud quand même. Hein. On se plaindrait s'il ne faisait pas beau. Ça serait dommage. Hein. Et bah merci. Donc, tu travailles aujourd'hui pour Cuscar Denis, mais normalement je te connais en tant que. Tu dois te présenter. Alors moi je suis un peu indépendant, je suis un peu un ovni parce que je m'occupe. D'organiser des événements avec les syndicats de vignerons de petit peu tout Languedoc-Roussillon, en gros, et je leur donne beaucoup de vin, je donne des conseils parce que je sais faire, donc voilà. Mais le gros travail est fait quand même par les vignerons et les syndicats. Et c'est avec plaisir que je les aide et je leur donne des conseils.